Ce qui est important, c'est de la regarder, la planète. De la regarder bien. Must be around. They lied to us, and that they knew what was going on all along. Bonsoir et bienvenue à Tokyo, une petite ville de 12 millions d'habitants, l'équivalent de la population de l'Île-de-France. Le Japon, longtemps sans concurrent en Asie, a été éclipsé depuis quelques années par ses voisins chinois et indiens. Un simple effet de mode, car 128 millions de Japonais produisent toujours plus de richesses que 2,5 milliards d'Indiens et de Chinois réunis. Et après des années de crise, le Japon est de retour sur la scène mondiale. C'est lui d'ailleurs qui va accueillir le prochain sommet du G8. Alors, assiste-t-on au réveil du sumo? C'est le 21e numéro d'Un œil sur la planète. Les Japonais sont les rois de l'innovation et ont souvent un coup d'avance. Au 21e siècle, ils misent tout sur la robotique. Entreprises et universités développent des androïdes, plus vrais que nature. Les Japonais parient que dans 20 ans, l'industrie des robots aura dépassé celle du secteur automobile. Un reportage futuriste. Dans toutes ces situations qui font appel à la présence humaine, il vaut mieux être comme moi que comme un robot métallique. Pour beaucoup d'Occidentaux, les Japonais seraient des drogués du travail, qui ne prennent jamais de vacances. Les femmes condamnées à rester au foyer, les enfants soumis à une compétition féroce dès la maternelle. Qu'en est-il exactement? Vérité ou poncif? Durant une semaine, une de nos équipes a suivi une famille japonaise au travail et à la maison. Une vision intimiste du Japon. Je préfère surtout que mon mari ne s'occupe de rien à la maison. C'est peut-être un mari roi, mais par exemple, pour l'éducation des enfants, c'est moi qui le domine. Savez-vous que la deuxième langue traduite en France est le japonais? Manga, mode, arts martiaux, design, cuisine, cinéma, le Japon est devenu le deuxième exportateur mondial de biens culturels. Sans renier ses racines, l'archipel augmente très pacifiquement sa part d'influence sur la planète. Tokyo est devenue la capitale mondiale de la tendance, un dossier sur le Cool Japan. Ce bouillonnement, ce mouvement perpétuel, mélangé au côté traditionnel, à cette sentimentalité qu'on a dans le sang, nous les Japonais. C'est peut-être ce qui intéresse les étrangers. C'est au Japon que l'espérance de vie est la plus élevée dans le monde. L'archipel compte plus de 25 000 centenaires. Mais en 2015, un Japonais sur quatre aura dépassé 65 ans et la population japonaise commence à diminuer. Pourquoi une telle situation? Quels en sont les impacts? L'empire du soleil levant va-t-il devenir l'empire du soleil couchant? Les personnes âgées ont beaucoup d'expérience et de technique. Donc, pour former la jeune génération, je souhaite garder mes salariés jusqu'à l'âge de 75 ans. Thank you.
Dans cette ville si trépidante et si moderne, il existe aussi des lieux paisibles, comme celui-ci, témoin de l'histoire, de la très longue histoire de l'archipel. Les Japonais qui viennent ici prier leurs dieux sont très attachés à leurs traditions, ce qui ne les empêche pas d'être aussi les champions de l'innovation et d'avoir un temps d'avance sur les autres grandes puissances. En route vers le futur, c'est le reportage de Jérôme Tournier et de Vincent Bouffartic. Bienvenue à Toyota City, au musée de l'innovation Toyota. Surprise, la star de l'exposition, ce n'est pas une voiture, mais un robot. Un robot trompettiste qui joue pour de vrai. S'il vous plaît. Et pour la visite, c'est une consoeur, Robina, qui joue les guides. Dans le showroom, c'est ce robot qui présente les modèles. Robina s'est aussi signé des autographes. Avec elle, Toyota s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La nouvelle stratégie de Toyota, c'est le robot. Notre objectif, c'est que chaque foyer en ait un. Si le premier constructeur mondial fait le pari de la robotique, c'est parce qu'au Japon, on a prévu qu'en 2020, l'industrie des robots supplantera celle de l'automobile. Depuis une dizaine d'années, les startups spécialisées se multiplient comme ici à Fukuoka avec Temsuk, une PME de 30 personnes qui a démarré comme Apple au fond d'un garage. Temsuk a déjà fabriqué une trentaine de robots comme ce samouraï, le symbole de ses ambitions de conquête. Ici aussi, on nous répète que le robot c'est l'avenir, le nouveau fer de lance de l'économie japonaise. Le marché de la robotique, c'est comme celui de la voiture il y a 100 ans. En ville, il y avait des calèches avec des chevaux. On n'imaginait pas que la voiture allait devenir quelque chose de quotidien. Pour les robots, c'est pareil. Et le premier marché qui va se développer, c'est celui de la sécurité. Je vais vous montrer mon dernier né, Roborior. Roborior est un robot de surveillance à distance. Il coûte 1500 euros. En quelques mois, il s'est déjà vendu à plus de 1000 exemplaires. Ce dentiste l'a acheté suite à 3 cambriolages. Chaque soir, désormais, c'est Roborior qui monte la garde dans son cabinet. Si un inconnu entre dans la maison, le robot m'appelle. Ça sonne comme ça. Si je veux, je peux faire bouger le robot via mon téléphone portable. Comme ça, je peux savoir s'il y a quelqu'un. Je peux même changer la position de la caméra. Si je vois qu'il y a un cambrioleur qui s'introduit dans le cabinet, je peux lui parler directement. Fous le camp ! Qu'est-ce que tu fais, voleur ? Va-t'en, connard ! Je n'ai jamais fait de cambriolage, mais j'imagine que les gens qui entrent quand c'est vraiment silencieux, j'imagine que s'il y a du bruit tout d'un coup, ils sont surpris et ils prennent la fuite. Donc comme ça, on peut éviter un cambriolage. Aujourd'hui, dans le sud du pays, certains centres commerciaux utilisent déjà des robots comme agents de relations publiques. Les enfants qui ont la carte de fidélité de ce magasin peuvent même dialoguer avec lui. Travailleur infatigable, cet agent du troisième type est un peu l'employé modèle. En 2025, les robots pourraient occuper 3 500 000 postes au Japon. À l'origine de cette révolution,
de jeunes cerveaux comme ces as de l'électromécanique, toujours à la recherche de nouvelles trouvailles. Régulièrement, ils confrontent leurs créatures dans des combats de robots. Mais d'abord, il y a l'échauffement. C'est un tournoi à élimination directe. Les combats se déroulent comme de véritables matchs de boxe, sous la supervision d'un arbitre. Tous les coups sont permis. Le premier robot qui va trois fois au tapis est éliminé. Les robots qui gagnent sont les plus agiles et les mieux télécommandés. Monsieur Yamato observe ces affrontements avec beaucoup d'attention. Patron de V-Stone, une société de robots d'Osaka, c'est lui qui organise cette compétition et ce n'est pas un hasard. Ici, il ne ménage pas les robots, donc on peut savoir s'ils fonctionnent vraiment bien. Parmi les gens qui sont là, il y a ceux qui sont forts en logiciel, ceux qui sont forts en fabrication et ceux qui ont des idées. En offrant cet espace aux utilisateurs, on peut recueillir leurs idées et s'en inspirer pour fabriquer des robots. C'est ainsi que sa compagnie a pu mettre au point le robot footballeur, un robot totalement autonome comme un vrai joueur. Équipé de deux caméras, il peut voir la balle et courir après. Il s'est tiré des deux pieds et même plongé. Ce petit bijou de technologie a permis à l'équipe d'Osaka de remporter la Coupe du monde de football des robots 4 années consécutives. Une consécration pour la technologie japonaise. Si le Japon gagne, c'est parce que ces universités ont été les premières à créer des robots mobiles capables de se mouvoir comme des humains. Et c'est ici, à l'université Waseda de Tokyo, que sont nés les premiers humanoïdes. Alors, on vient du monde entier voir ce qui se trame dans ces laboratoires. Aujourd'hui, l'université reçoit une délégation française. On va leur présenter 21, l'assistant idéal pour les personnes à mobilité réduite. Ce robot à roulette s'est préparé et vous amenez un plateau repas comme celui du petit déjeuner. Twenty One a des gestes d'une très grande précision. Ses doigts sont dotés d'une extrême sensibilité. Il peut saisir une paille sans même l'écraser. La main est assez extraordinaire parce que ce qu'on a vu avec la paille était vraiment bluffant et ils sont capables effectivement de contrôler des efforts très très fins et en toute sécurité. Donc là l'idée c'est d'avoir un robot sûr pour travailler au contact des personnes. Donc ça nous pensons que c'est vraiment pertinent et nous avons un projet similaire qui démarre en France. Donc on est intéressé pour savoir un petit peu et avoir leur retour d'expérience là-dessus. Une version commerciale de 21 devrait sortir dans 6 ans au prix de 80 000 euros. Aujourd'hui, on est à un stade où le résultat de nos recherches va servir de manière utile à la société. Pour nous, en tant que roboticiens, c'est très important. Prochaine étape, ces robots vont se mettre à marcher et devenir autonomes. Celui-ci impressionne la délégation. Il est le premier réellement capable de reproduire la marche humaine. Regardez, c'est ça la vraie marche. Grâce à ses hanches mobiles,
il obtient une liberté de mouvement jamais égalée. 41, j'ai pas entendu. Combien de degrees of freedom did you say? 41, c'est ça quand même. La marche jambes tendues, c'est très rare. J'ai jamais vu. Le Japon collectionne les premières mondiales. Ce jeune créateur a lui aussi contribué à perfectionner la marche des robots, mais à sa façon. Son invention est dans cette mallette. Voici le premier robot femme. La plupart des créateurs de robots sont des hommes. Et ils ne connaissent pas bien la démarche et les proportions du corps féminin. Pour les hommes, un robot femme, c'est juste porter une jupe ou avoir les cheveux longs. Moi, je voulais exprimer la féminité autrement. Pour obtenir un tel déhanchement, il a fallu travailler dur. C'est la façon de marcher des mannequins. J'ai observé comment elles bougent, je leur ai demandé des explications. Tout ça, c'est le résultat de mon observation quotidienne des femmes. Les chercheurs de Honda ont réussi une autre première. Voici Asimo, un véritable athlète. Le seul humanoïde au monde capable de courir. Si le pays du soleil levant fait la course en tête, c'est parce qu'il voit loin. Dans un pays sans ressources naturelles, maintenir l'avance technologique est un impératif. Au gouvernement, on définit ainsi des choix stratégiques à l'horizon 2025. À cause de notre énorme dette au Japon, nous avons coupé dans tous les budgets de dépenses publiques, mais jamais dans ceux de la science et de la technologie. Là, au contraire, l'investissement a augmenté au cours des 13 dernières années. Car c'est un investissement pour le futur. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses au Japon. Et pour arriver à ça, nous avons mis en place différentes politiques. Mais la clé de voûte, c'est l'innovation. L'innovation à tout prix, cela donne des résultats parfois étonnants. À l'université d'Osaka, ce laboratoire de robotique travaille sur un programme révolutionnaire qui risque demain de bouleverser nos existences. Le résultat des recherches est derrière ce rideau. D'abord, je me présente. Je m'appelle Hervé Q2. Je viens de l'université d'Osaka. Un robot à figure humaine, la ressemblance est troublante. J'ai la peau douce, des mouvements et des expressions naturelles. Grâce à de nombreux capteurs, j'ai beaucoup de sensibilité. Animée par un programme informatique, la belle androïde se verrait bien un jour remplacer l'homme. Demain, je veux travailler pour aider les personnes âgées, garder les enfants dans les crèches, enseigner, présenter les infos télé, servir d'hôtesse d'accueil. Dans toutes ces situations qui font appel à la présence humaine, il vaut mieux être comme moi que comme un robot métallique. Pour les étudiants de ce laboratoire, la robotique atteint désormais une nouvelle dimension. En faisant la recherche sur ce robot, on étudie ce qu'est l'humain. J'ai toujours été intéressé par la découverte de l'homme, la façon dont il perçoit physiquement et psychologiquement son environnement, ce qu'il ressent. On recherche ça à travers le robot androïde. C'est une approche très intéressante. Je crois vraiment que les robots qui ressemblent aux humains sont plus rassurants que les robots métalliques classiques. Mais qu'est-ce que vous faites? Le créateur de cet androïde sensible au toucher, c'est lui, le professeur Ishiguro. Il tâtonne depuis des années pour savoir quelle apparence et quel comportement doit avoir le robot du futur.
On ne sait pas encore si l'apparence humaine est une absolue nécessité chez les robots. Faut-il vraiment une tête humaine? Un regard suffit-il? Qu'est-ce qui est le plus important pour les hommes? Voilà pourquoi on fait de la recherche en fabriquant ces robots. Il nous manque encore des connaissances sur le cerveau ou sur la façon dont les hommes perçoivent les choses. On n'a pas encore un plan de l'être humain. Donc pour arriver à fabriquer un robot parfait, il faut collaborer entre chercheurs en robotique, en neurophysiologie et avec les spécialistes de la perception. Quelle place vont occuper les robots dans notre quotidien? Quel aspect doivent-ils avoir pour qu'on les accepte? Pour le savoir, exister à travers lui. Du coup, il existe. Vraiment? Je pense, oui. Vous savez, on ressent beaucoup d'émotions et de phénomènes étranges. Par exemple, si vous lui faites ça, l'opérateur ressent quelque chose. Et le robot lui-même pourra-t-il un jour ressentir des émotions? Si on développe le programme, je crois que oui. Les androïdes du professeur Ishiguro sont promis. Si le dentiste bouge un peu, il peut blesser le patient avec l'instrument. Il peut couper un peu la gencive ou la joue. Ce genre d'accident arrive surtout chez les jeunes diplômés. Alors pour éviter ce genre d'accident, notre université a proposé ce programme avec le robot. Désormais, les risques d'accident diminuent et les patients des jeunes praticiens sont rassurés. Les Japonais sont persuadés qu'ils vont vivre avec les robots dans un futur proche. Dans les magasins spécialisés, on trouve déjà toutes sortes de bipèdes humanoïdes. Comme l'explique le patron, ils sont vendus en kit. On peut les monter soi-même, tout est dans la boîte, il suffit de visser. Il y a même un rayon de pièces détachées pour les personnaliser. Au Japon, on se familiarise très tôt avec les humanoïdes et leur arrivée dans la vie quotidienne ne fait pas peur. Je crois que la question de la religion est importante. Chez les chrétiens, l'être humain, ou toute chose qui a une forme humaine, doit être créé par Dieu. Donc, peut-être, ça les gêne que les robots aient une forme humaine. Les chrétiens considèrent les robots comme quelque chose d'inférieur. Mais les Japonais, eux, ils les considèrent comme leur égal. C'est sans doute une question de culture et de religion. Dans ce pays shintoïste, on considère que certains objets ont une âme. Alors, pourquoi pas les robots? Autrefois, on avait des chats ou des chiens. Aujourd'hui, on a des dinosaures. En attendant de réinventer l'homme, les Japonais ont déjà fabriqué l'animal préhistorique. On en est encore à l'aube de la création. Rien n'est trop beau pour le consommateur japonais qui a un pouvoir d'achat supérieur à celui des Français depuis de très nombreuses années. Une performance dans un pays sans ressources naturelles qui a priori n'avait pas grand-chose pour lui et qui est devenu la deuxième puissance économique mondiale. Monarchie constitutionnelle, dotée d'un empereur au rôle symbolique, le Japon ressemble à un Royaume-Uni asiatique, mais il est beaucoup plus riche. Avec 128 millions d'habitants, 2% de la population du globe, le Japon produit 11% de la richesse mondiale. L'économie japonaise représente un peu moins de la moitié de l'économie américaine, mais plus de deux fois celle de la France. Elle pèse à elle seule autant que la Chine et l'Inde réunies.
Les régions japonaises ont souvent un PIB comparable à celui d'autres pays. En 2003, par exemple, le Kanto, la région de Tokyo, pesait autant que la France ou même la Chine. Depuis, les chiffres ont changé, certains pays ont émergé, mais le Japon reste de loin la deuxième puissance économique mondiale. En revenus par habitant, les Japonais se classent les troisièmes du G8, derrière les Américains et les Britanniques. Les Japonais ne comptent pas leurs heures au bureau ou à l'usine. C'est d'ailleurs l'une des raisons de leur réussite. Au Japon, on a même inventé un mot, le karoshi, la mort par l'excès de travail, qui a tué déjà plusieurs milliers de personnes. Mais est-ce que tous les Japonais vivent pour et par le travail? Pour le savoir, Anne Poiré et Didier Dahan ont partagé pendant une semaine la vie quotidienne d'une famille. Voici leur reportage. Village de Aogaki, dans l'ouest du Japon. Konnichiwa. Bienvenue dans la famille Adachi. Les parents se sont connus il y a 14 ans, se sont mariés un an plus tard. Ils ont trois enfants, Shina, Yuyu et Runa. Ils ont un poisson blanc et deux voitures, et comme voisins, les grands-parents qui font des gâteaux. Parce qu'ils vivent dans une zone rurale, les Adachi ont la chance de posséder une maison individuelle et un peu d'espace. Les Adachi, une famille bien courageuse d'avoir accepté notre caméra. Beaucoup avaient refusé avant eux, par pudeur et modestie. Il est délicat au Japon d'exposer son intimité. Encore plus à des étrangers souvent pleins de préjugés sur le mode de vie des Japonais. Ce peuple à la modernité si différente de celle de l'Occident. 6h10, lundi matin. Hiroto, le père, est déjà sur le départ. Premier cliché qui se vérifie, au pays du soleil levant, on se lève tôt. Même si la mère prendra son travail à mi-temps, 3 heures plus tard, elle tient, bonne épouse, à accompagner comme tous les matins son mari sur le pas de la porte. Monsieur Adachi a tout d'un salaryman. L'employé type japonais attaché pour la vie à son entreprise. Mais le pays change, et les comportements aussi. Il y a 4 ans, chose impensable autrefois, Hiroto n'a pas hésité à démissionner d'une banque japonaise pour intégrer AXA, une compagnie d'assurance occidentale. Mais c'est loin de chez lui, à Kobe, la grande ville de la région. C'est vrai que ça prend du temps le trajet. 5 heures par jour. Le matin et le soir, je n'ai presque aucun contact avec les enfants. Mais du coup, j'en profite plus le week-end. Je prends mon bain avec eux. Je fais plus d'activités. C'est très concentré. Vous avez bien entendu, 5 heures de transport chaque jour. Car après 30 minutes de voiture, 2 heures de train l'attendent. Des wagons remplis d'hommes qui finissent leur nuit. Voilà de quoi nous conforter dans notre idée d'un peuple laborieux. Il est 9 heures. À cause de nous, Hiroto Adachi a quelques minutes de retard. Une attitude déconseillée au Japon. L'entreprise a beau être étrangère, elle fonctionne à l'heure japonaise. Gymnastique collective et serment de loyauté pour tous les employés. La semaine démarre, il faut réintégrer le groupe. Le groupe, cette valeur cardinale au Japon.
Ici comme ailleurs, règne le travail, la discipline, le culte du mérite. Chaque lundi matin, les salariés performants sont valorisés en public par l'encadrement. Des bons points, comme à l'école. L'école, justement. Au village, c'est l'heure d'y aller. Yu-Yu et Shina vont devoir marcher 30 minutes. C'est le temps du printemps et des cerisiers en fleurs. C'est aussi celui de la rentrée. Chaque année, une cérémonie marque le début du cursus scolaire pour les plus petits. Seules les mères peuvent y assister car dans l'ensemble, elles ne travaillent pas. Une des rares occasions pour elles de porter le kimono. Des officiels de la mairie sont présents. On joue l'hymne national devant ces enfants de 6 ans. Pour eux, ce jour marque la fin de l'insouciance. À partir d'aujourd'hui commence une longue vie de labeur, des examens, des concours, avec en ligne de mire l'entrée à l'université, sésame pour leur carrière. Les nouveaux venus passent sous une arche de fleurs pour leur signifier leur insertion dans ce groupe, dont ils devront apprendre à respecter les règles. Et la première d'entre elles, une sagesse exemplaire lors de cette cérémonie qui va durer une heure. Moi, je me souviens, à leur place, j'étais très tendue. Mais les plus grands m'ont aidée en chantant des chansons pour m'encourager. Tous pour un et un pour tous. La devise des mousquetaires doit devenir celle de ces petits samouraïs. En 2006, les résultats des élèves japonais ont baissé par rapport à ceux des autres pays développés. Alors le gouvernement a décidé de serrer la vis, avec notamment davantage de cours d'anglais, mais aussi des cours d'arts martiaux et de musique traditionnelle. Cette réforme vise surtout à se réapproprier les bons côtés des valeurs japonaises. Et je trouve que c'est une bonne chose. Par exemple, nous devons apprendre aux enfants à éviter le gâchis. Nous vivons dans une société de consommation où plus rien n'a de sens. Il faut accorder plus d'importance au respect de soi, au respect des autres et à celui de la nature. Société de consommation, mondialisation. Au Japon comme chez nous, il faut trouver des réponses à ces nouveaux défis. La sécurité alimentaire est un sujet de préoccupation majeure dans ce pays qui importe l'essentiel de ses besoins. Les cas d'intoxication se sont multipliés ces dernières années. Alors pour se protéger, Madame Adachi boycotte désormais systématiquement bœuf et légumes venus du continent asiatique, jugé infesté de pesticides. Ce sont surtout les produits chinois qui me font peur. Quand j'ai envie d'acheter des légumes qui ne sont pas de saison, je prends uniquement ceux d'origine japonaise. Ayano Adachi, une femme japonaise. Ah, la femme japonaise, un concentré de clichés vus de France, à mi-chemin entre la geisha soumise, la mère au foyer prévenante et l'épouse délaissée. Alors, mythe ou réalité? Un peu des deux, justement, car dans une société qui valorise l'organisation du groupe et donc le partage des tâches, Ayano Adachi occupe dans cette famille une place qu'elle revendique avec délectation. Je préfère surtout que mon mari ne s'occupe de rien à la maison. C'est peut-être un mari roi, mais par exemple, pour l'éducation des enfants, c'est moi qui le domine. On est complémentaires. Le féminisme, un sujet glissant au Japon.
Au fait, ce que vous voyez là, ça s'appelle Tololo Imo. C'est une sorte de pomme de terre. Ça n'a pas l'air, mais c'est délicieux une fois cuit. Deux matinées par semaine, Ayano Adachi travaille dans une maternité. Un établissement d'une modernité dernier cri et typiquement japonais. Ici, on accouche sans péridurale, dans la douleur, volontairement. Un choix assumé par les mères, même pour cette femme qui vient d'accoucher après plus de 24 heures de travail. C'était très dur. Ça a vraiment duré longtemps. Et quand on lui demande pourquoi elle n'a pas souhaité d'anesthésie, madame s'étonne. Et c'est monsieur qui répond. Ben, tu disais j'ai mal, mais ça n'avait pas l'air si dur que ça. Évidemment, il y a la douleur. Oui, ça fait mal, bien sûr. Mais je vais vous dire quelque chose. L'émotion est beaucoup plus belle, beaucoup plus forte lorsque le bébé vient naturellement. Médecine naturelle aussi pour soulager les patientes. Elles sont de moins en moins nombreuses à accoucher au Japon, où le taux de natalité est l'un des plus bas du monde. Je pense que les femmes qui travaillent de façon intense repoussent le moment d'avoir des enfants et se marient très tard. Et du coup, passé un certain âge, elles n'arrivent plus à en avoir. Le Japon laisse peu de choix aux femmes. Soit une carrière, soit une famille. Pour Ayano, la priorité était de faire des enfants. Heures. Les enfants rentrent de l'école. Yuyu et Shina mangent les gâteaux de leurs grands-parents avant de faire leurs devoirs sur la table de la salle à manger. Pas de tatami en vue. L'organisation de l'espace ressemble à la nôtre, à un détail près. Au premier étage, les enfants ont bien chacun leur chambre, mais aucun ne l'occupe encore. Là, c'est la chambre de mes parents. Là, c'est le lit de mon papa. Là, celui de mon grand frère. Là, c'est pour mon petit frère. Dans beaucoup de familles japonaises, on couve ainsi les enfants le plus tard possible. Là, c'est le lit de maman. Ça s'appelle dormir, comme dans une rivière. Et là, c'est ma place. Moi, je dors ici, avec toutes mes peluches. Le soir, le père ne rentre pas toujours. Aux longues journées de labeur succèdent d'interminables discussions de travail, souvent bien arrosées dans les bars de Kobe. Moitié obligation, moitié moment de détente pour ces hommes mariés aussi à leur société. Ces moments avec mes collègues, mes compagnons de route et de lutte, sont nécessaires pour souder les liens entre nous. Mais ma femme prépare quand même mon dîner, même si elle sait que je suis ici. Alors pour ne pas la vexer, quand je rentre, je me force à manger aussi son repas, et donc souvent le soir, je dîne deux fois. Parfois, après le dîner, Hiroto Adachi retourne boucler un dossier. Il peut faire deux fois 35 heures dans la même semaine pour un salaire de 3 700 € par mois. Il a 20 jours de vacances par an quand il les prend. C'est assez mal vu. Certains soirs, il reste même dormir au bureau. Tous les jours, c'est dur. C'est vraiment dur. Et je suis trop fatigué pour rentrer chez moi. Parfois, j'ai envie de réfléchir seul pour me ressourcer un peu. Alors je reste dormir ici et je dors là, dans cette pièce, par terre. Il y a parfois mon manager qui dort à côté de moi lorsqu'il a un peu trop bu. Du repos, Hiroto n'en bénéficie véritablement qu'un week-end sur deux.
commence alors pour lui un autre marathon. Le samedi, dès 8h du matin, l'aîné joue au baseball, le sport favori des Japonais. Là encore, apprentissage du groupe et respect de la discipline. Courir et sauter tout seul, ça, il sait faire. Mais moi, je veux qu'il apprenne aussi l'esprit d'équipe. C'est important. Direction le cours de calligraphie pour les deux grands. À chaque fois, c'est toute la famille qui se déplace. Là, il faut coller un peu plus le trait. Normalement, je suis gauchère. Mais pour la calligraphie, on m'a dit d'utiliser la main droite, parce que c'est la règle. Bien sûr, pour moi, c'est plus difficile. Contraindre son corps. Contrôler le geste. Tendre vers la maîtrise. Viser la perfection. Ça, c'est très bien. Mais celui-ci, qui signifie rivière, c'est un peu trop large. La contrainte, l'apprentissage des traditions, la primauté du groupe. Mais où se cache donc l'individualité des Japonais? Pour Yuyu, c'est dans la danse. Dès l'âge de 3 ans, elle a décidé qu'elle intégrerait une troupe de théâtre traditionnel, le Takarazuka. Ses cours sont la première étape. Dès l'âge de 3 ans, Shina, lui, a préféré la batterie. Dans l'archipel, impossible de rester oisif, même en week-end, même en vacances. Dès lors, une question: les Japonais savent-ils vraiment s'amuser? Heureusement, il y a quand même des moments de détente, comme ce soir au stade. Les Hanshin Tigers jouent à domicile. C'est l'équipe adulée de la région de Kobe. On vient ici en famille, communier avec les héros. On vient ici pour se détendre, pour se déstresser. Moi, ça me fait rêver le baseball, parce que quand j'étais petite, les filles n'avaient pas le droit de jouer. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il y en a beaucoup qui apprennent. C'est même très populaire. Le lendemain matin, lors d'une randonnée avec des amis, nous nous aventurons sur un terrain plus épineux, le sentiment amoureux. Dans la famille Adachi, pas d'effusion, pas d'embrassade, même envers les enfants. Et quand on leur demande comment ils se montrent leur amour, la réponse est, comment dire, pudique. Le week-end, quand on accompagne les enfants à leurs activités, en voiture, sur le trajet, on en profite pour se rapprocher, pour se parler, ma femme et moi. On a le temps de communiquer. Pas vraiment face à face, comme dans une discussion, mais côte à côte. Et surtout, on regarde dans la même direction. Parfois, pour Noël ou son anniversaire, Hiroto offre même à sa femme des cadeaux. Un comportement que leurs amis plus âgés qualifient d'excentrique. Mais là encore, les mentalités évoluent. Tradition, modernité.
Plus qu'aucun autre pays, le Japon est parvenu à marier ces deux concepts. Tu le lèves, tu le poses là, et tu dis merci pour le gâteau. Cérémonie du thé chez les grands-parents. Monsieur est maître dans cette discipline, le sado. Il transmet des gestes précis. Le rituel est immuable. C'est bon ? Oui, c'est un peu sucré. Après avoir pris le temps de savourer le thé et à travers lui les bienfaits de la nature, Yu-Yu se doit aussi d'apprécier la tasse qui a été choisie en son honneur et de communier ainsi avec l'âme du Japon. On parle beaucoup de mondialisation ces temps-ci. Mais je pense que plus le Japon est exposé aux influences internationales, et plus il devient important d'être vraiment japonais. Et je pense que la cérémonie du thé reflète l'essence même de nos traditions. J'aimerais bien réussir à faire comprendre ça à mes petits-enfants. Puiser dans les valeurs les plus profondes pour digérer la mondialisation. Trouver ainsi un équilibre harmonieux. Une notion tellement japonaise. Quand nous quittons la famille Adachi à la fin de la cérémonie du thé, chacun se retire à genoux pour ne pas risquer de dominer ce qui reste derrière eux. Sayonara. Pour nous parler de ce Japon qui innove et qui travaille beaucoup, il y a un fin connaisseur, Carlos Ghosn. Depuis 9 ans, il partage son temps entre Paris et Tokyo. Aujourd'hui, PDG de Renault Nissan, il est bien placé pour nous parler des raisons du succès japonais. Vous êtes un chef d'entreprise à cheval entre les deux cultures, européenne, française et puis japonaise. Qu'est-ce qui différencie le salarié japonais, par exemple, du salarié français ? Oh, je dirais, on aurait du mal à trouver des points communs. Hein. Nous sommes vraiment dans deux mondes tout à fait différents. En France, il y a quand même, je dirais, c'est bien de faire beaucoup en peu de temps. Au Japon... 35 heures, par exemple. Voilà, mais je dirais, on pousse beaucoup la productivité en très peu de temps de travail, 35 heures, etc. Les Français sont parmi les plus productifs. Et puis les gens ont envie d'avoir 5 semaines de vacances, d'en profiter. Au Japon, ne pas être présent dans l'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. Donc, faire de longues heures, être très présent, par exemple, prendre toutes ses vacances au Japon, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Je vous cite un exemple, nous avons un programme à l'intérieur de Nissan, un programme structuré avec le service du personnel dans lequel nous poussons les gens à prendre leurs vacances. Ils n'ont pas 5 semaines de congé, hein, ils ont 2 semaines de congé. Ils ne prennent pas leurs 15 jours. Par an. Et donc, ils ne prennent pas, ils prennent en moyenne, aujourd'hui, avec tous les efforts que l'on fait, 80% du temps de congé. Il y a quelques années, c'était 60%. Donc nous avons des programmes spécifiques pour pousser, en accord avec les syndicats d'ailleurs de l'entreprise, pour pousser les gens à prendre leurs vacances. Donc nous avons des attitudes. Je dirais des visions du temps de travail, de l'importance du lieu de travail, très différentes entre les deux pays. On a remarqué aussi que les Japonais sont très forts dans l'innovation. Oui. Là aussi, ils sont les meilleurs, d'après ce que vous connaissez dans vos voyages à travers la planète. Les Japonais sont, je pense, sur le plan de la créativité et de l'innovation, à mon avis, pas meilleurs que les Français. Franchement, je dirais basé sur 9 ans d'expérience, d'observation et de travail. Par contre, ils ne laissent jamais l'idée flotter très longtemps. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une idée et qu'ils sentent qu'il y a du potentiel, ils passent à l'action, ils passent à la transformation. Ce qui fait qu'ils sortent plus de choses du Japon. Non pas que le Japon soit plus prolifique en matière d'idées, je pense que, franchement, ça, je dirais même que la France est très bien positionnée. Mais par contre, le Japon a le souci de transformer un maximum de ses idées en objets, en services, en produits. Alors que souvent, en France ou à l'extérieur du Japon, on se suffit de l'idée. Et puis finalement, si l'objet vient derrière, c'est pas si important. Donc c'est ce dévouement à l'action, ce dévouement à la transformation qui fait que finalement, ils sortent beaucoup de produits
innovants que d'autres pays. Vous vivez la coopération entre la France et le Japon d'une manière très positive, vous venez de le dire. Mais est-ce qu'on ne doit pas quand même malgré tout craindre un peu les performances japonaises? Parce que ce sont des concurrents. Ce sont des concurrents, c'est sûr, mais ce sont des concurrents qu'on peut transformer en partenaires. Regardez, l'expérience Renault-Nissan est fantastique. Nissan était un concurrent à Renault. Et puis Renault, en tendant la main, en proposant une alliance... À un moment où Nissan était susceptible d'écouter de dire oui, ben on a transformé un concurrent en un partenaire. Et aujourd'hui, Renault, par cette alliance, est devenu une entreprise globale, une entreprise mondiale, sans changer d'identité. Donc on ne doit pas craindre, a priori, Japon, ses entreprises. Pas du tout, au contraire. Il faut regarder le Japon en disant finalement, ce sont des gens qui sont très compétitifs, ce sont des entreprises... Donc il faut trouver des ponts, il faut trouver des joint ventures, il faut trouver des accords, il faut trouver des alliances, parce que le Japon peut aider beaucoup les entreprises françaises à rentrer en Asie. Hein. Les Japonais sont des Asiatiques, certes, ils sont sur une île, mais ils travaillent bien en Chine, ils travaillent bien en Asie du Sud-Est, ils ont des relations privilégiées aussi avec les Indiens, ils sont chez eux. Et donc une entreprise française qui arrive quelque part à établir des liens avec une entreprise japonaise va gagner énormément en temps et en compréhension pour s'établir sur ces marchés. Le Japon, superpuissance économique, c'est connu, mais le Japon, superpuissance culturelle, beaucoup moins. Qui sait par exemple que sur l'échelle du in et du branché, Tokyo joue dans la même cour que Londres ou New York. On est loin d'une société japonaise grise et laborieuse. Le Japon a changé en quelques années. Voyage dans le Cool Japan avec comme guide Christophe Duchiron et Frédéric Bazy. En ce début de 21e siècle, le Japon a la modernité douloureuse. En effet, le Japon a mal au pouce, à force d'utiliser le téléphone portable, ce technologique prolongement de la main, qui sert à regarder la télévision, surfer sur Internet, lire un roman, payer ses courses et accessoirement téléphoner. Quand le pouce dit pouce, il y a la clinique du docteur Yamaguchi. C'est une clinique du sport où l'on soigne aussi les doigts endoloris, les tendinites et les inflammations des accros du mobile de haut niveau. Ce syndrome s'est développé depuis 5-6 ans à cause de l'usage de plus en plus fréquent du téléphone portable et de la souris de l'ordinateur. D'après moi, parmi les femmes âgées de 20 à 40 ans qui travaillent dans les bureaux, une sur cinq souffre de ce symptôme. En cas d'excès, le téléphone portable peut faire mal aux doigts, tout comme Tokyo peut faire mal aux yeux, tant qu'il y a à voir dans l'effervescence du paysage urbain. Au temps des samouraïs, il aurait chevauché un cheval à la place d'un scooter. Oui, mais voilà, Loïc Bizel est un homme de son temps, et son temps, c'est la mode. À sa manière, Loïc Bizel est un chasseur. Un chasseur français installé à Tokyo depuis 8 ans. Chaque semaine, sur l'un de ses territoires favoris à Harajuku, il chasse les nouvelles tendances et les nouveaux codes vestimentaires que la rue ici renouvelle en permanence. En fait, ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans, où les Japonais venaient en Europe, copiaient, mais ils amélioraient.
Et en fait, ils ont tellement bien amélioré qu'ils ont réussi à se créer finalement leur propre style. Et maintenant, ils ont perfectionné en fait la mode et ils ont perfectionné, ils ont été très réactifs au niveau des tendances. Ils sont toujours très réactifs. Et donc, du coup, ça devient une source d'inspiration pour les Européens, les Américains. Et lui-même, j'ai des clients australiens qui viennent ici pour vraiment s'inspirer, quoi. Ses clients sont principalement des designers de grandes marques ou des responsables de grands magasins. Quand ils sont en visite à Tokyo, il organise pour eux une sorte de tournée de la mode et propose aussi en consultation un immense fichier de photos où l'accent est mis sur le détail. Un bouton, la longueur d'un manteau ou des superpositions de vêtements, tout ce qui fait la richesse de la mode ici. On peut retrouver ce marché japonais aussi bien le luxe, c'est le premier marché au monde, aussi bien le young casual, c'est-à-dire le truc, vraiment les tendances très branchées, mais on peut aussi bien retrouver du classique, on peut avoir des chaussures, ça peut être l'homme, le marché de l'homme par exemple, au niveau de la mode, est très en avance par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Ça commence par les sacs à main pour hommes qui sont, vous regardez dans la rue, tous les hommes ont des sacs à main. Donc c'est un phénomène qui n'est pas encore arrivé en Europe et aux États-Unis, mais qui va, je pense, arriver d'ici 3-4 ans. C'est juste un problème d'image, de concept, d'association. Les Japonais sont pas... Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur du jugement des autres. C'est une mode électrique qui mélange les influences du sport, de la rue et d'une certaine élégance. C'est une mode à emblème de tête de mort, qui veut dire, selon son créateur, profitons de la vie jusqu'à la fin. C'est souvent noir, mais jamais sombre ou morbide. C'est une mode qui joue sur le décalage, le détournement des symboles, avec des matières nobles et entièrement fabriquées au Japon. C'est la mode de Masaaki Oma et de sa marque Mastermind, créée il y a 11 ans. C'est une mode qui se vend aujourd'hui dans 40 magasins au Japon et 12 pays à l'étranger. Il y a des choses que nous devons montrer maintenant par rapport au monde de la mode. Nous, on essaie de se battre contre le système. On ne cherche pas à vendre beaucoup ou à faire des bénéfices énormes. Nous ne sommes pas comme Chanel ou Vuitton. On essaie juste d'être au même niveau de qualité que ces marques, voire supérieures. Nous avons de plus en plus d'admirateurs dans le monde et ça nous encourage beaucoup. Des t-shirts à 350 euros, des pulls en cachemire 4 fois plus chers et le choix de ne faire aucune publicité. Oma a laissé faire le bouche à oreille et les célébrités. Karl Lagerfeld achète ses blousons à Paris. Brad Pitt adore porter ses vêtements à Los Angeles. Aujourd'hui, le Japon est à la mode et une grande partie de la mode est au Japon. Rinko Kikuchi, 26 ans, mannequin, se promène sur les pages des magazines du monde entier. Qui plus est, après Nicole Kidman, Vanessa Paradis et d'autres, elle est la première japonaise choisie par Chanel comme ambassadrice de sa collection de sacs à main. Au cinéma, Rinko s'est révélée aux yeux du monde quand elle a tourné dans Babel, le film du Mexicain Iñárritu, qui se déroule en partie à Tokyo. Elle y incarne avec une rare intensité une jeune fille sourde et muette, ce qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle féminin en 2007. Les modes se succèdent à toute vitesse à Tokyo. Cette vitesse, ce changement permanent, c'est à la fois une qualité et un défaut. Il ne faut pas y perdre notre identité. Ce bouillonnement, ce mouvement perpétuel, mélangé au côté traditionnel, à cette sentimentalité qu'on a dans le sang, nous les Japonais, c'est peut-être ce qui intéresse les étrangers. Est-ce à cause des problèmes de logement, de la taille réduite des appartements ? Toujours est-il qu'au Japon,
les jeunes s'expriment beaucoup dans la rue, notamment par le vêtement au travers de la mode, ou alors par le déguisement, quand il s'agit d'incarner sans complexe leur personnage favori de manga et de dessins animés, ce qui ne manque pas de saisir l'œil du visiteur qui découvre Tokyo. C'est le temps du défoulement tranquille des cosplayers, ces jeunes qui jouent en costume, et des otaku, ceux qui viennent voir, des accros du virtuel, majoritairement masculins. En se baladant le dimanche dans le quartier d'Akihabara, on peut avoir une idée du Cool Japan, ce Japon de la pop culture et du mélange des genres, teinté d'une singularité gentiment infantile. À Akihabara, l'on se rend compte, en contemplant le spectacle de la rue, que le Japon est une incroyable usine à images. Et cela passe par le manga, produit phare de l'industrie culturelle japonaise. Chaque dimanche, une fille au drôle de nom d'artiste, Ai Madonna, dessine des personnages de manga sur une jeune fille déguisée en personnage de manga. Depuis 6 mois, elle exécute en pleine rue son artistique performance qu'une revue d'art contemporain a déjà saluée. Avant, il y avait une différence avec d'un côté le dessin animé et le manga, et de l'autre, il y avait l'art. Maintenant, si ce que je fais est considéré comme de l'art, disons une sorte d'art, c'est très important pour moi. Je veux aller en France, à Paris. Je veux dessiner sur la Tour Eiffel. Ah non ! Laissez-moi dessiner sur la Tour Eiffel. Au Japon, chaque année, 100 millions de Japonais achètent plus d'1 milliard de mangas. Gigantesque industrie de papier, genre typiquement japonais, mais succès planétaire. Auquel il faut ajouter le dessin animé, les jeux vidéo, la mode, le cinéma et on en passe. Après avoir inondé le monde de ses voitures et de son électronique, le Japon est devenu en 2005 le 2e pays exportateur de produits culturels dans le monde, derrière les États-Unis. Le Japon est en France la 2e langue la plus traduite, après l'anglais. Cet homme à casquette qui photographie tout ce qui bouge n'est pas un photographe. C'est un homme en quête d'inspiration, qui s'intéresse aux tribus urbaines et qui essaye de capter l'atmosphère de la rue à Shibuya, l'un des quartiers les plus animés de la ville. Santa Inoue est un auteur de manga à fibre sociale qui raconte dans Tokyo Tribe l'histoire de tribus rivales. 13 épisodes de guerre des gangs et de hip-hop. À travers le hip-hop, le thème de mon manga, c'est l'amitié. Et pour comprendre ce genre de choses, la nationalité du lecteur n'a pas d'importance. Je voulais raconter la philosophie d'une certaine jeunesse à Tokyo. Parce que c'est la ville dans laquelle je vis et parce que c'est une ville énergique et excitante. En 9 ans de carrière, il a vendu 2 millions d'exemplaires de Tokyo Tribe. Ce qui est peu au regard des 250 millions de Dragon Ball, le manga le plus vendu au monde, mais ce n'est pas rien pour un thème singulier et un public très ciblé. Tokyo Tribe est traduit dans 6 pays, dont les États-Unis, la France et la Chine. Tokyo Tribe est adapté en dessin animé, diffusé à la télé et vendu en DVD. Santa dessine aussi des pochettes de disques pour des rappeurs américains. Santa est fier de Santastic, sa boutique de produits dérivés, ouverte à Shibuya il y a 2 ans.
Lui, c'est le personnage principal de Tokyo Tribe avec notre chemise dernier modèle. Là, on vend un coffret DVD de mon film, Just for Kicks, avec un t-shirt à l'intérieur. Et puis, j'ai fait des accessoires aussi qu'on peut fixer sur une casquette, comme ça. En août prochain, il ouvrira un deuxième magasin à Shanghai, en Chine. Santa est un auteur de manga qui voit grand. L'affirmation d'une identité à travers le look, les Japonais l'expriment peut-être en réaction à l'uniforme qui s'impose à l'école et plus tard dans l'entreprise, où le sombre costume cravate et le tailleur pour dames sont de mise. Entre 16 et 25 ans, il y aurait donc comme une sorte de parenthèse, où l'on s'abandonne aux modes avant de rejoindre le système. Mais dans le Japon d'aujourd'hui, tous les jeunes ne rejoignent pas forcément le système. À 26 ans, Shohei Kawasaki fait partie des jeunes artistes les plus prometteurs. Écrivain, photographe, réalisateur de vidéos d'avant-garde. Il vit de petits boulots journaliers, il est riche de sa liberté et de son temps libre, car pour le reste, pour ce qui est de l'aspect matériel, il vit tout en bas de l'échelle. Dans un monde quasi silencieux, loin du tumulte de la rue. Shohei Kawasaki vit en nomade, dans les cybercafés, ouverts 24 heures sur 24. Il n'y a pas que les fous de jeux vidéo et de manga qui fréquentent ce genre d'endroit. On y trouve aussi des oubliés de la reprise économique. Une génération perdue entre 20 et 30 ans, 3 millions d'individus, selon le ministère des Affaires sociales, incapables de payer un loyer. Cabines individuelles, moins de 2 mètres carrés, un ordinateur, un tatami, pour 3 000 yens environ, 18 euros la nuit. Kawasaki vit ce genre de vie depuis l'époque où il était étudiant à l'Université des Beaux-Arts de Tokyo. Il en a tiré un livre, Les réfugiés du cybercafé. Rarement un réfugié des cybercafés parle aux gens. Que mon corps et mon esprit aient pitié de cette situation. Je construis un autre moi en moi pour dialoguer. Quand on est depuis longtemps un réfugié des cybercafés, on peut faire l'expérience de ce dialogue entre soi et soi. À sa manière, il témoigne d'une époque, un peu à l'écart d'un Tokyo qui brille, plus proche d'une génération qui navigue entre liberté et précarité. Au Japon, tout le monde parle d'argent. La société de consommation est très présente. Si on ne parle que d'argent et de consommation, ça ne va pas. Il faut davantage s'intéresser à la société, à la culture. Moi, avec ce livre, c'est ce que j'ai essayé de faire. Le Japon est aujourd'hui un pays à deux vitesses. Il y a un Japon qui s'appauvrit et un Japon lancé à toute allure dans une consommation effrénée. La jeunesse qui s'amuse dispose d'un pouvoir d'achat d'autant plus fort que les jeunes vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Sans loyer à payer, moyennant de l'argent de poche ou un travail, ils peuvent dépenser 500 euros par mois en fringues, en manga, en électronique. DJ Alex est, si l'on peut dire, un Tokyo franco-japonais. Arrivé au Japon à l'âge de 4 ans, il en parle couramment la langue et manie audacieusement les platines. DJ Alex parcourt le monde de la nuit. De Miami à Berlin, de Londres à Tokyo. Et Tokyo, c'est spécial. Il y a un Tokyo, effectivement, la nuit. Il y a des Tokyo en fait la nuit. Et ouais, c'est super inspirant. Il se passe plein de choses la nuit, quoi. On peut vraiment vivre uniquement la nuit à Tokyo, quoi. Ouais. Tous les mélanges sont possibles. Genre, Tokyo propose vraiment une infinité de possibilités. Et pour quelqu'un qui, je dirais, qui crée tout simplement, ouais, c'est fantastique. On peut vraiment se lâcher, quoi. Mmh.
En ce début de 21e siècle, le Japon est devenu une superpuissance de la pop culture et Tokyo en est sa place forte, capitale trépidante et inventive. C'est un endroit où se mixent et se remixent toutes les cultures et toutes les influences. La culture underground de Shohei Kawasaki qui s'intéresse au banal du quotidien et la culture populaire du manga. Culture branchée de la mode, de la musique, de la technologie, c'est le lieu du mouvement incessant, de la création et de l'insolite. Le lieu où le bonheur des jeunes passe par la consommation. Un lieu où la jeune génération prend du bon temps et affiche une singularité sans rébellion. Ces 10 dernières années, le Japon est entré dans le quotidien et dans l'imaginaire de la planète. Le Japon a changé de siècle, le Japon a changé de peau. Il fait l'objet d'une attraction grandissante auprès des jeunes occidentaux, car il s'en dégage l'image d'une certaine modernité. Ce Japon branché, ce Japon attractif, on le rencontre dans les ruelles du vieux Tokyo, si méconnu en Occident. Quartier aux centaines de bars où nous avons rendez-vous avec une chanteuse métisse franco-japonaise. Maya Baru est la fille du compositeur Pierre Baru. Elle a choisi de vivre à Tokyo pour sa démesure. Vous, vous êtes à cheval entre deux cultures, deux pays, deux villes même. Deux villes, ouais, Paris et Tokyo. Bah, où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise finalement ? En tant que musicienne, puis même en tant, enfin, humainement, je préfère être au Japon en ce moment. Pourquoi ? Dès qu'on veut faire quelque chose, dès qu'on veut bouger, faire une tournée, faire un concert, faire une soirée, c'est simple. Je me dis, bon, j'ai envie de faire une soirée, tout le monde dit, ok, c'est parti, et ça se fait. Moi, je peux m'organiser une tournée quand je veux. Aussi, on peut faire des concerts n'importe où. Avec la fanfare, on jouait tous les mois dans un coiffeur, par exemple. On peut jouer dans un temple, chez le boulanger à côté, chez des gens. Ici, il n'y a aucune règle. Et comment vous expliquez ça en fait. Les Japonais sont curieux. Ils sont devenus curieux ou ils étaient comme ça déjà depuis longtemps. Et ce qui est incroyable, c'est que les Japonais ont les pieds dans les racines et la tête dans le 22e siècle. C'est que toutes les traditions sont là, même aujourd'hui. Ils ne se rendent même pas compte tellement c'est naturel. Et c'est ça, en fait. Donc, il y a des temples partout, cachés dans la ville, dissimulés dans la ville. Et puis, à côté, il y a des buildings incroyables, des milliers de gens qui passent. C'est ça, c'est tout ce côté complètement anachronique. Et complexe, De Tokyo, que j'aime beaucoup. Et puis, on croit que c'est une ville complètement insensée, où il n'y a pas de vie. En fait, il y a plein de petits villages dissimulés dans la ville, comme ici, et ce quartier qui est complètement incroyable. Et c'est ça qui vous plaît ? Oui. Ouais. Mais en fait, si je vous écoute bien, finalement, Tokyo et le Japon sont beaucoup plus complexes que nous le pensons vu de France. Même beaucoup plus simple alors, peut-être. Mmh. Beaucoup, c'est simple, c'est paisible, c'est une des plus grandes métropoles et les gens, ils s'aident entre eux et puis il n'y a pas... Genre mon père, il laisse sa caméra sur le scooter pendant une nuit, il n'y a pas de problème. Alors qu'à Paris, il s'est fait voler 5 fois son scooter en 3 mois, enfin, c'est ça quoi. Donc, pourquoi c'est comme ça d'ailleurs ? Pourquoi il y a ce respect des autres, c'est des choses ? C'est aussi un côté où on est des insulaires ici, c'est une île. Il y a très peu d'étrangers encore. Les gens, quand il y a un étranger qui marche dans la rue, on le voit. Encore aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. Au Japon, il y a beaucoup de Japonais. Sayonara.
ce temple, on vient prier la déesse Arai afin de vieillir en bonne santé pour ne pas devenir une charge pour la collectivité. Car c'est le principal problème ici. Le Japon vieillit, ne fait pas suffisamment d'enfants et chose incroyable, depuis 2005, perd 1 million d'habitants par an. Alors comment les Japonais peuvent-ils faire face? Voyez ce reportage de Dorothée Cochard et de Mathieu Drochon. À Tokyo, il est un rituel presque aussi immuable que le soleil se levant sur la ville. C'est la gymnastique du matin. Il ne les fait pas, mais Shigeaki Inohara a 97 ans. Il ne consomme qu'un repas par jour et trouve parfaitement inutile de dormir plus de 5 heures par nuit. J'ai travaillé jusqu'à 2h30 du matin. Je suis frais, je suis dispo. Shigeaki Inohara est une célébrité au Japon. Dans ce pays où l'on vénère le grand âge et la santé, il exerce comme cardiologue depuis près de 70 ans. Il a son émission de radio hebdomadaire et fort de sa vénérable expérience, il y transmet des conseils culinaires éprouvés. Regardez ma main. Tout le monde me dit « Oh, vous avez une belle main sans rides pour votre âge. Il faut prendre de l'huile d'olive, c'est très bon pour la peau. Moi, je la prends comme on prendrait un médicament. Depuis 20 ans, j'en verse chaque matin une cuillère dans mon jus d'orange. » ans. C'est l'espérance de vie au Japon et c'est un record mondial. On compte 30 000 centenaires dans le pays. Un habitant sur cinq a plus de 65 ans. Le premier ministre lui-même, Yasuo Fukuda, a 72 ans, ce qui en fait le plus vieux des premiers ministres depuis la guerre. Mis à part la multiplication des cours de danse hawaïenne, très en vogue actuellement chez les femmes du troisième âge, ce radieux vieillissement démographique bouleverse l'économie nippone. En tout, 8 millions de baby-boomers japonais doivent prendre aujourd'hui leur retraite. Le problème, c'est que la population ne se renouvelle pas. Les Japonais ne font pas d'enfants, ou si peu. 1,32 par femme, c'est un des taux les plus faibles du monde. Le pays perd 1 million d'habitants par an depuis 3 ans. D'où la question, qui va payer les retraites ? Comme vous le savez tous très bien, chers téléspectateurs, dans notre système de retraite, c'est la génération de population active actuelle qui soutient la génération des personnes âgées. Cela signifie que les cotisations payées par la population active des plus jeunes sont versées à des personnes âgées. Prenons le cas banal de la retraite d'un travailleur salarié. En 1977, il y a 30 ans, il fallait 19 travailleurs pour soutenir une personne âgée. 6 ans après, en 1983, à cause du vieillissement de la population, 12 personnes seulement soutenaient une personne âgée. En 1996, en plein marasme, cela a encore diminué. Ce sont 5 personnes qui devaient soutenir une personne âgée. En 2004, il fallait 3 travailleurs pour soutenir une personne âgée. Enfin, en 2033, on prévoit que 2 travailleurs devront soutenir une personne âgée. De plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs. Voilà donc la réalité du système des retraites au Japon. Il faut donc augmenter la population active. Première solution, il faut que les femmes fassent plus d'enfants. Il faut augmenter le nombre de crèches. Il faut réduire leurs coûts. Il faut favoriser le congé parental. Il faut...
Il faut sauf que le gouvernement a des poches presque vides. C'est ce que nous confirme ce haut fonctionnaire du ministère du Travail. L'État est criblé de dettes. 180% du PIB, c'est presque trois fois plus qu'en France. L'enveloppe des crèches dépend du budget national. Comme la demande de places supplémentaires est très forte, on n'arrive pas à la satisfaire à 100%. C'est un problème. Deuxième solution, qui semblerait toute naturelle, ce serait l'immigration. Mais l'immigration n'a rien de naturel au Japon. C'est le seul pays au monde à avoir fermé ses frontières aux étrangers pendant deux siècles. Et à ne les avoir rouvertes au 19e que sous la pression des Américains. Aujourd'hui, les étrangers au Japon ne représentent qu'1,5% de la population. C'est cinq fois moins qu'en France. Dans beaucoup de pays européens, et notamment en France, vous avez beaucoup d'immigrés. Mais on voit les problèmes que cela pose. On risque d'avoir des problèmes d'insécurité. Alors, avec des caisses vides et des frontières hermétiques, que faire ? Les Japonais ont fini par trouver une solution impensable pour un cerveau français. Une idée géniale. Nous demandons aux entreprises de garder leurs employés jusqu'à l'âge de 70 ans. Travailler plus longtemps, simple et obligatoire, comme la gymnastique du matin. L'âge pour toucher sa retraite est déjà passé à 63 ans. Ce sera bientôt 65. Et ce n'est pas fini. Dans cette fonderie, il y a 40 salariés. Plus de la moitié a plus de 60 ans. Mais pour le patron, c'est loin d'être un problème. Les personnes âgées ont beaucoup d'expérience et de technique. Donc, pour former la jeune génération, je souhaite garder mes salariés jusqu'à l'âge de 75 ans. Cela permettra de former un nouveau personnel qualifié. Le patron a embauché récemment trois nouveaux salariés. Comme ils ont plus de 60 ans, et conformément aux nouvelles dispositions, l'État paye un tiers de leur salaire. Il paye aussi un tiers de toute nouvelle machine qui facilite leur travail. Qu'en pensent les stakhanovistes ? Nous les interrogeons à leur peau sorbet. Moi, je suis plus heureux quand je travaille que quand je ne travaille pas. C'est bon pour la santé. Je préfère penser à ce que je ferai le week-end plutôt que d'être en week-end. Si j'étais toujours au repos ou en vacances, je ne me sentirais pas bien. Ça ne vous dit pas de prendre un peu de repos pour rester chez vous, auprès de votre épouse ? Non. Tant que l'entreprise m'emploie, je veux travailler. Je veux travailler aussi longtemps que mes forces me le permettront. Aussi longtemps que leurs forces le leur permettront. Au Japon, le travail est perçu comme une valeur, un faire-valoir. Un senior sur deux travaille après l'âge de la retraite. En France, ils sont à peine 4%. La plupart des Japonais trouvent donc des petits boulots, souvent moins bien rémunérés, mais qui sont de bons compléments à leur modeste pension.
Higaaki Inohara n'a pas attendu la directive de l'État pour décider de poursuivre ses activités. À 97 ans, il est encore président d'honneur d'un grand hôpital privé. Il continue d'y travailler. Allons-y brièvement. Cette patiente a 81 ans. Comment ? Cette personne a 81 ans. Et a priori... N'utilisez pas cette expression a priori. C'est inutile. Mademoiselle, quelles sont vos remarques en tant qu'infirmière par rapport aux symptômes ? Est-ce qu'elle mange correctement ? Oui. Oui, elle mange bien ? Oui, à peu près. Mais elle ne mange pas tout. Environ 1000 calories par jour. Vous serez gentille d'écrire ce nombre de calories sur votre bulletin d'infirmière, mademoiselle. Bien. Allez, tout le monde me suit pour observer comment il faut faire. Il s'agit de décider si la patiente doit ou non rester à l'hôpital. Le professeur s'entretient directement avec elle. 81 ans, ancien professeur de calligraphie, cancer, en phase terminale. Ses battements, pour quelqu'un de plus de 80 ans, sont vraiment très clairs. J'aimerais bien retourner à la maison. Et à la maison, vous aurez quelqu'un pour vous aider ? Je l'espère. Normalement, avec votre pathologie, vous devez pouvoir bénéficier d'une aide à domicile quotidienne. Retour chez elle pour finir ses jours. Avec soins à domicile quotidien. Le vieillissement de la population a un coût. Le problème dans l'avenir, c'est que l'on aura de plus en plus de frais médicaux, de maladies incurables. Alors si les personnes âgées étaient tout autonomes, ça irait. Mais si elles tombent malades, les dépenses pour frais médicaux vont exploser sur l'ensemble du pays. Quel avenir pour le Japon ? Pourra-t-il protéger tous ses citoyens ? Ce vieillissement entraînera 255 milliards de dépenses publiques supplémentaires. C'est 8% du PIB. Et c'est ingérable. Le gouvernement Fukuda a pris les devants. Il vient de mettre en place un nouveau système de cotisation santé pour les plus de 75 ans. Pas de remède miracle. Ils devront payer plus. Les Japonais, peu habitués à manifester leur mécontentement, multiplient les réunions de protestation. La nouvelle loi est très mal perçue. Je me demande pourquoi on persécute des personnes faibles. Parce que c'est vraiment une persécution des faibles. Jusqu'à maintenant, on nous prélevait de l'argent, mais c'était moins. On va devoir payer trois fois plus maintenant. Je me souviens d'un député qui a dit « Soigner les personnes âgées, c'est comme arroser un arbre mort ». C'était il y a longtemps, mais c'est ça l'esprit perdure. Des vieux de plus en plus pauvres, laissés pour compte. Est-ce là l'avenir que le Japon promet au troisième âge ? Que deviendront les plus démunis ? À la soupe populaire, la file d'attente s'allonge d'année en année. La délinquance des seniors a triplé en 10 ans et selon la police, c'est lié à la misère. Il existe bien des centres d'hébergement pour les indigents, mais ils sont rares. Voici l'un d'eux. Malgré les attentions évidentes du personnel, ça sent l'urine et la mort proche.
Il y a 78 pensionnaires, des personnes comme Shimizu Saegi, 81 ans, dont on peut difficilement dire qu'il a été tiré au flanc. J'ai été agent de sécurité. J'ai aussi été secrétaire dans des entreprises. J'ai fait plusieurs autres métiers. J'ai trop travaillé. Comme j'avais une santé de fer, j'ai trop forcé. Et j'ai eu une attaque dans une station de métro. C'était il y a 5 ans. Au lieu de me reposer, j'ai recommencé à travailler. J'ai eu une autre attaque. Je suis tombé et je me suis abîmé la colonne vertébrale. On m'a opéré et je suis sorti de l'hôpital il y a 2 ans. On m'a dit, vous ne pourrez plus jamais marcher. Mais vous voyez, je peux marcher. Une fois par mois, on réalise un bilan de la situation physique de chaque pensionnaire. Autour de la table, assistante sociale, salarié du centre et infirmière. Comme il a encore des douleurs, on va faire un peu de massage et de stretching pour poursuivre sa rééducation. Ce centre n'est pas payé par l'État. Il est financé à 80% par les RMI des pensionnaires eux-mêmes et 20% par la mairie. Les centres d'hébergement public ne sont pas assez nombreux, ni aussi bien gérés. En principe, s'occuper des personnes faibles comme les personnes âgées ou les enfants, c'est le travail de l'État. Et des gens comme nous, associatifs, agissons là où l'État n'a pas fait son travail. La plupart de ces personnes n'ont pas de soutien de famille. Est-ce qu'il est possible pour elles de vivre seules sans aide? Je pense que non. Shimizu Saegi pourtant a 2 enfants et 3 petits-enfants. Mais il a peur d'être un poids. Alors à 81 ans, son rêve le plus ardent est encore de recommencer à travailler. Car tout Japonais qui se respecte a rêvé, au moins une fois dans sa vie, d'être une force de la nature, comme l'est notre cardiologue au planning de ministre. Ce soir, il est l'invité d'honneur d'une compétition nationale de chorale du troisième âge. Ah, si on pouvait prendre un peu de son secret de jouvence. D'ailleurs, on le peut, il nous l'a livré, juste avant de monter sur scène. Avant tout, il faut avoir une vision. Un projet à long terme. Et pour réaliser cette vision, il faut accomplir des actions courageuses. Quelle action courageuse le Japon devra-t-il mener pour pallier son vieillissement? S'endetter encore plus pour une vraie politique nataliste? Finir par faire appel à l'immigration. Si le gouvernement ne fait rien de plus, la population aura fondu de moitié d'ici la fin du siècle. Et le confort des seniors avec. Le Japon est-il en déclin ? Faut-il parier plutôt sur la Chine ou l'Inde? Pas si vite, répond Richard Collas, patron de Chanel Japon, qui vit depuis 35 ans dans l'archipel. Depuis quelques années en France, disons que la Chine et l'Inde sont plus à la mode que le Japon. On a l'impression un peu que ces deux grands pays ont éclipsé le Japon. À tort ou à raison? Non, je pense que c'est de toute évidence, a raison quand on regarde ce qui se passe sur le plan économique en Chine. Mais je crois qu'il faut
quand même moduler un petit peu cette vision de l'Inde et de la Chine qui ont aujourd'hui des valeurs qui sont différentes des valeurs que nous partageons. Je dis bien nous partageons les Européens et dans une très grande mesure les Américains avec les Japonais. Il faut quand même savoir que dans toute l'Asie, à part l'Inde qui est un autre, qui n'est plus l'Asie, vous avez une seule démocratie et c'est le Japon. Vous êtes dans une véritable démocratie. C'est des partis politiques, des syndicats. Des gens qui votent, des gens qui manifestent leur mécontentement. Alors peut-être pas de la même façon que chez nous en France où on explose pour un tout et pour un rien, mais vous êtes dans une véritable démocratie. Les droits de l'homme sont ici complètement protégés, alors que vous avez autour de nous toute une constellation de pays où la démocratie n'existe pas, où les droits de l'homme sont encore approuvés, au premier chef bien entendu, ce monstre extraordinaire qu'est la Chine. Et je pense qu'il faut un petit peu nuancer notre passion soudaine pour la Chine ou pour l'Inde en se disant, mais quelle est la part de danger que représentent ces pays qui ont des valeurs différentes des nôtres et qui un jour pourraient nous les imposer? Est-ce que le Japon a quelque chose à nous apporter dans sa réponse justement à cette plus grande concurrence dans un monde totalement ouvert et concurrentiel? Oui, comme je vous le dis, je crois qu'ils ont à apporter leur voix à ces valeurs communes que nous partageons avec les Européens, où l'être humain reste quand même central. Alors, on a le sentiment que oui, ben, ils laissent leur population vieillir, etc. L'être humain n'est pas très important pour eux. Au contraire, je pense que les Japonais sont extrêmement préoccupés par la place de l'homme, la place de l'être humain dans ce concert incroyable de changements mondiaux. Il faut savoir quand même que le Japon est un des pays les plus à la pointe en matière de lutte contre la pollution. Les entreprises japonaises, moi quand je suis arrivé au début des années 70, à Tokyo, vous passiez une journée dans Tokyo, le col de votre chemise était crasseux. 10 ans plus tard, les Japonais s'en sont rendus compte et ils ont dit on va s'imposer d'arriver à des émissions, notamment de gaz, des voitures. À l'époque, tout le monde disait c'est impossible à atteindre. Et en fait, non pas 10 ans plus tard, mais 8 ans plus tard, les fabricants automobiles japonais étaient en deçà de ce que le gouvernement japonais s'était donné comme objectif, qui était considéré 10 ans plus tard plutôt comme impossible. Je veux dire, le protocole de Kyoto, c'est les Japonais qui le soutiennent. L'Europe en cas, aujourd'hui, bien entendu. Manifestement, Tokyo est une ville propre, apparemment. Oui, si on a votre col de... Ça va. On n'a pas de soucis. Donc je pense que le problème du Japon, c'est la prise de conscience. Ils sont lents à la détente. Et vous le voyez d'ailleurs dans les réunions quotidiennes, vous êtes assis avec vos Japonais, ça tourne en rond, c'est concentrique comme approche, donc ça prend énormément de temps. Mais comment se fait-il qu'ils arrivent quand même à s'adapter? Parce que évidemment, j'ai constaté effectivement cette lenteur. Mais malgré tout... Ben, je pense que la lenteur, dans un certain sens, est l'outil qui leur permet de s'adapter. Parce qu'ils vont tourner autour du problème, l'approche du problème est concentrique. Contrairement à nous qui sommes linéaires, qui fonçons dans le problème, qui essayons de régler peut-être le noyau du problème et qui ne voyons pas que nous créons d'autres problèmes en faisant éclater le noyau. Les Japonais vont tellement étudier le problème dans tous les sens, de façon concentrique, ça prend un temps fou. Mais quand ils ont bien étudié le problème, ils ont tous les éléments qui leur permettent de dire voilà l'action qu'on va prendre et l'action est d'une rapidité extraordinaire. En France, l'un des grands sujets de préoccupation, ce sont les délocalisations, oui, notamment par rapport à la Chine. Alors, la Chine est tout à côté. Comment fait le Japon pour lutter contre les délocalisations? Il relocalise. C'est-à-dire? Il rapatrie. Mais comment arrive-t-il à... Alors, est-ce qu'on peut... Il rapatrie pas tout. Il rapatrie la très haute technologie. Et ils se disent, là où les prix importent finalement peu. Et qu'on soit beaucoup plus cher en fabriquant au Japon que si on était en Chine, finalement, le jeu en vaut la chandelle parce que ça nous permet de ne pas justement... divulguer, distribuer gratuitement au bout du compte une technologie qui fait notre petit avantage et qui fait qu'on espère que ce petit avantage continuera pendant quelques années, si possible quelques décennies. Et donc en fait il y a une relocalisation, aussi étrange que ça puisse paraître, et il y a un parti pris de très très haute technicité de dire eh bien on va faire des produits chers mais qui sont acceptables parce qu'ils offrent un plus tellement différent par rapport à la Chine. Le Japon s'est rendu compte, si vous me passez l'expression, qu'en fait c'est un peuple de manufacturiers. Les Japonais sont des gens minutieux, sont des gens précis, sont des gens... La plus belle laque au monde est la laque japonaise, les plus beaux objets au monde sont des objets japonais. Et moi je dis que le succès du Japon en tant que manufacturier tient au fait aussi qu'ils ont une population de gens qui sont extrêmement minutieux.
Je peux vous dire que nous, Chanel, qui sommes un produit de luxe magnifié, et qui prétendons avoir des produits de très 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 haute qualité, venir au Japon depuis 30 ans et vendre au Japon depuis 30 ans nous a appris à monter la qualité. Et d'ailleurs, toute industrie étrangère installée au Japon vous dira que le Japon est incontournable pour ça, parce qu'il vous oblige à monter vos critères de qualité et à faire de vous, en fait, une société qui a des produits beaucoup plus compétitifs. Donc la qualité, c'est un peu, si on doit donner... envoyer un message à la France, à la société française, la qualité, c'est le meilleur moyen de lutter contre complètement. La concurrence. Complètement. Mais je pense que la France est un pays, on s'en rend pas compte, mais la France est un pays qui crée des produits et qui crée des produits de valeur ajoutée et de très très haute qualité. Je veux dire, on ressemble un peu aux Japonais dans un certain sens, en ceci qu'on a, on a l'amour du bienfait. Alors si on devait tirer peut-être une leçon, une seule, de l'évolution de cette société japonaise, est-ce que c'est pas finalement le fait qu'on peut être moderne tout en gardant ses traditions? Alors, c'est le seul pays qui nous donne un peu cet exemple d'une certaine manière, il ne s'est pas américanisé. Vous avez tout à fait raison, c'est un pays, malgré ce qu'on voit, quand on me dit le Japon a changé, je dis bien sûr le Japon a changé en 35 ans et il n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'effectivement vous avez relativement encore ces traditions, ces façons de se comporter, ces comportements qui sont issus de 2000 ans d'histoire et qui restent profondément ancrés effectivement dans tout japonais, en même temps qu'ils ont le modernisme le plus fou. Et je pense que c'est ça qui fait effectivement le charme de ce pays et qui fait que quand on vient, on en tombe en général amoureux. Comme vous. Moi, je suis un amoureux perpétuel. Je suis un amoureux éperdu de ce pays. Vous n'avez pas essayé d'aller du côté de la Chine, par exemple? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis allé en Chine. J'ai été pendant 2 ans à un poste régional basé à Hong Kong. La Chine est un pays, certes, fascinant, mais qui ne m'intéresse pas du tout. Je suis très, très attaché au raffinement. Et le raffinement japonais n'a pas d'égal au monde, nulle part. Tokyo, out of my head you flow, from my heart to my soul, watch the energy flow. Les sumo, ce sont ces géants, des colosses qui s'affrontent à l'intérieur d'un cercle, leur territoire. Comme ces lutteurs, le Japon a beaucoup d'atouts pour rester un poids lourd sur la scène internationale. Et la France, qui fête ses 150 ans de relations avec le Japon, serait bien avisée de ne pas l'oublier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site france2.fr. À très bientôt. Très bonne soirée sur France 2.